Peuple haïtien, hier encore, nous voyons que la communauté internationale, là, à travers CARICOM, décidé pour le passer, peuple haïtien, dans la bêtise. Tant que gens, ça a fait depuis plus que un siècle. Nous connaissons que depuis après départ, Jean-Claude Duvalier, domination, ça a vint plus mal. Ça a vint plus raide. C'est eux contrôler tout ça qu'ils pour nous faire dans le pays d'Haïti. Ils ont crasé l'agriculture, ils ont détruit le cochon créole, ils ont assuré qu'ils ont une mauvaise presse tout partout, ils ont fait connaître nos binaxidas, ils ont crasé tout ce que nous avons mis en place pour aider le peuple, et ils ont pris le contrôle total et réel pour voir qu'ils ont décidé en Haïti, avec un seul objectif, la guerre Haïti dans le trou. Peuple haïtien, aucun citoyen conscient, aucun haïtien, pas d'accord à accepter ça, communauté internationale là, mettez devant nous. Premièrement, c'est communauté internationale là, en complicité avec élite pourrie et senti Haïti, politique et économique, qui l'a gagné dans tout que nous là. Deuxièmement, arrogance arrivée trop, tellement loin, que vous pensez que malgré tout ça, au fin de là, c'est eux qui a décidé qui est-ce qui pourrait diriger Haïti avec un objectif clair pour ressusciter, pour régénérer système ça, qui pas bon pour pays. Encore une fois, m'a dit nous, révolution a marché, il a marché très bien. Moi là, depuis 3 mois, moi t'es arrivé là, mais dans un pays qui pas de aucun espoir. Et je dis à, grâce à l'idée révolution, grâce à un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes qui croient dans l'idée ça, nous arriver, montrer blanc, que j'en pense qu'il y a un contrôle bagaille en Haïti, ah, c'est pas vrai. Blanc dit, pas bien transition, non en transition. Créole parler, créole comprendre. Nous dit blanc, abdon l'autre transition parce que c'est pas ça, c'est pas moun sa yo kap menen la transition. Et y'a obligé de faire bac. Devant volonté et détermination, peuple haïtien. PM Ariel Henry te dit, la plage jusqu'à 2025 pour faire élection et remettre 2026. Encore une fois, peuple haïtien rappelle dit non, c'est pas vrai. Ça m'a fait. Et encore une fois, PM n'a obligé de faire bac malgré tout appui et support que le gain dans la communauté internationale là, plus précisément corps groupe. Donc c'est pour nous montrer que plus gros force qui gagne, c'est peuple là. C'est pour nous dire que seul monde qui gagne légitimité aujourd'hui pour décider qui gens qui laisse qui va mener Haïti sous Raïli, c'est peuple haïtien. C'est nous seulement qui avons légitimité. Et nous avons force pour nous forcer. La bataille n'est pas facile. Parce que j'en ai pensé, tant qu'on a l'histoire, tout peuple qui n'a tout que n'y a là, peuple allait le camper, le plus souvent le déconjoint support, force publique. L'armée d'Haïti, ou bien on partit dans l'armée d'Haïti par exemple. Police nationale, ou bien on partit police nationale. Malheureusement pour nous, peuple haïtien, nous n'avons pas de support, mon zèle. Ils ont campé en face, puis ils défendent le statu quo. Sous prétexte que c'est l'ordre public qui a défendu. Et au bien qu'on est. Pour qui ça? Pour un petit chèque? Mais au fait. Vous mettez en face peuple là, craser peuple là, tuer peuple là, pour assurer que y a, pour pérenniser système ça, pour mettre yo, pour patron yo. Moi, je souhaite que secteur, puisque j'ai un secteur là dedans quand même, qui a conscience, qui a brûlé situation pas bon, après conscience, même un peu tard, il a campé, pour camper avec peuple, pour dire non, pour camper avec peuple, et mener peuple, ensemble, côté nous en vie rivière. Maintenant, nous pour nous mobiliser. Décision CARICOM n'a pas de décision panne. CARICOM n'a aucune autorité légale pour décider qui est-ce qui va venir diriger Haïti. Il n'a aucune légitimité pour venir décider pour nous. C'est nous qui vous décidez. Et seuls gens pour nous forcer à accepter, c'est nous mobiliser. Même jeune fait blanc fait bac sur question pas bien transition dans transition. Même jeune fait bac dans question Ariel Henry pas font pas. Même jeune nous fait gouvernement haïtien fait bac dans question la plage jusqu'à 2026 là. C'est nous camper encore dans la rue. Puis les bétons pour nous dire blanc CARICOM encore une fois. Ou pas comme même grand monde là caillou. Faire respect. C'est haïtien qui a décidé qui laisse cap diriger Haïti. Si nous croyons ça. Si nous voulons changement réel là, radical là. Même je ne fais pas travail ça déjà. On continue mobilisation. On mobilise, on campe.
Et on dit, cette fois-ci, n'a pas joué Haïti que nous rêvons. Et cette fois-ci, système n'a pas tourné encore. N'a pas crasé le système, n'a pas détruit le système, n'a pas démantelé le système. Et ce que j'en gavel, c'est mobilisation, c'est détermination, c'est force, c'est courage. Nous souhaitons police nationale acclamée d'Haïti à suspendre, agite comme force, reste avec et mettez au service de nation. Système ça, qui pas bon pour pays. Encore une fois, m'a dit nous, révolution a marché, il a marché très bien. Moi là, depuis 3 mois, moi t'es arrivé là, mais dans un pays qui pas de aucun espoir. Et je dis, grâce à l'idée révolution, grâce à un paquet de jeunes garçons, jeunes femmes qui croient dans l'idée ça, nous arrivé, montrer blanc, que j'en pense qu'il y a un contrôle bagaille en Haïti, c'est pas vrai. Blanc te dit, pas bien transition, non en transition. Créole parler, créole comprendre. Nous dit blanc, abdon l'autre transition parce que c'est pas ça, c'est pas moun sa yo kap menen la transition. Et yon obligé faire bac. Devant volonté et détermination, peuple haïtien. PM Ariel Henry te dit, la place jusqu'à 2025 pour faire élection et remettre 2026. Encore une fois, peuple haïtien kap el dit, non, c'est pas vrai. Ça pas fait. Et encore une fois, PM n'a obligé faire bac malgré tout appui et support que le gain dans la communauté internationale là, plus précisément, corps groupe. Donc, c'est pour nous montrer que, plus grosse force qui gagne, c'est peuple là. C'est pour nous dire que seul monde qui gagne légitimité, je veux dire, pour décider qui gens, qui laisse, qui peut mener Haïti sous Raïli, c'est peuple haïtien. C'est nous seulement qui gagne légitimité. Et nous gagne force pour nous forcer. Bataille n'est pas facile. Parce que j'en ai pensé, tant qu'on a l'histoire, tout peuple qui n'a tout que n'y a là, peuple à l'aile campé, le plus souvent, le déconjoint support, force publique, l'armée d'Haïti, ou bien on partit dans l'armée d'Haïti, par exemple. Police nationale, ou bien on partit police nationale. Malheureusement pour nous, peuple haïtien, nous pas joindre support, mon zèle. Yo campé en face, moi. Puis yo défendre statu quo, sous prétexte que c'est l'ordre public qui a défendu. Et yo bien qu'on est. Pour qui ça? Pour un petit chèque? Mais yo fait. Yo mettez yo en face peuple là, craser peuple là, tuer peuple là, pour assurer que y a pour pérenniser système ça pour mettre yo pour patron yo. Moi souhaiter que secteur puisque gen secteur là dedans quand même qui gen conscience qui ka broué situation pas bon apprend conscience même les un peu tard y a campé pour camper avec peuple pour dire non pour camper avec peuple et mener peuple ensemble côté nous en vie rivière. M'a demandé nous pour nous mobiliser. Décision CARICOM n'a pas décision panne. CARICOM n'a aucune autorité légale pour décider qui est-ce qui va venir diriger Haïti. Il n'a aucune légitimité pour venir décider pour nous. C'est nous qui vous décidez. Et seul gens pour nous forcer à accepter, c'est nous mobiliser. Même jeune fait blanc fait bac sur question pas de transition dans transition. Même jeune fait bac dans question Ariel Henry pas font pas. Même jeune nous fait gouvernement haïtien fait bac. La question là, jusqu'à 2026, là, c'est nous camper encore, dans la rue, puis les bétons. Pour nous dire blanc, CARICOM, encore une fois, ou pas comme même grand monde là, caillou, j'ai respect. C'est haïtien qui a décidé qui laisse, qui a dirigé Haïti. Si nous croyons dans ça, si nous voulons changement réel là, radical là, même je ne fais pas travail ça déjà, on continue mobilisation. On mobilise, on campe. Et on dit, cette fois-ci, n'a pas joué Haïti que nous rêvons. Et cette fois-ci, système n'a pas tourné encore. N'a pas crasé système, n'a pas détruit système, n'a pas démantelé système. Et ce que j'en gavel, c'est mobilisation, c'est détermination, c'est force, c'est courage. Nous souhaitons police nationale acclamée d'Haïti à suspendre, agite comme force, reste avec et mettez au service de nation.